Bonjour les téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes à la piscine Marie Nadeau, grande nageuse, comme vous le savez. Et je suis en présence de René Lacavalière, ici Sylvie Lafrenette. Et la Fréchette, Nad Fréchette, pardon. Alors, bonjour ma co-animatrice. Bonjour, chère Sylvie. Je suis honorée de faire cette émission à vos côtés. Ah oui, moi aussi. Nous sommes à nos côtés, vraiment. voici les deux nageuses qui sont en train de répétition. Et qui sont en train de répéter. Oui. Alors, ils s'étirent, elles font des pirouettes, elles font des backflips, flip-flump, et le dauphin, le crocodile, et peut-être l'alligator, ainsi que quelques poissons rouges égarés ici et là. Alors, alors, donc, elles se parlent, elles se disputent. On voit très bien la concentration. On voit l'entraîneur est à côté et elle leur dit leur dernière recommandation parce qu'elles doivent s'exécuter dans pas grand temps. Alors, vous vous souvenez que l'an dernier, il y avait les deux... L'or avait été remporté par Océane Lamar et Ariel Dulac. Oui, c'est deux excellentes nageuses qui nous venaient tout droit de Trois-Rivières, si je ne m'abuse. Vous avez tout à fait raison, René. Alors, il ne faut pas oublier du côté des hommes aussi, hein? Oui, on avait un duo très aquatique, si on peut dire. Il s'appelait Hippocampe la Rivière et son co-nageur, Willy Poisson. Willy Poisson de la Chute, rappelons-le. Oui. Alors, c'est deux amphibies. Alors, c'était vraiment d'excellents nageurs et ce sont eux qui avaient remporté l'or. Tout à fait. Alors, je pense que l'entraîneur est sur le point de basculer dans la piscine. Mais je crois que les officiels vont lui faire signe de se retirer. Oui, de se retirer. Tout à fait. Alors, là, il est en train de complètement mettre ses nageuses hors compétition. Oui, si ça continue, elles seront hors compétition. Alors, il faut que cette nageuse, cette ex-nageuse, se retire rapidement. Alors, okay. Est-ce que les officiels vont oui. Nos alors, est-ce qu'on avait bien mentionné, chère Sylvie, le nom de nos nageuses que nous allons voir présentement tout, là? Pas du tout, vous avez raison. Qu'est-ce que je fais sans vous, René? Alors, nous savons que ces deux jeunes filles. Ce sont des cousines. Bien sûr, ce sont des cousines, de bonnes amies, des aussi, cousines oui. Qui se fréquentent régulièrement oui. Et qui sont des athlètes de haut niveau oui. Depuis de nombreuses années. Oui, certainement. Et leurs noms sont Kaya Duchesneau et Jeanne. René, vous êtes mêlée. Je suis complètement... Kaya Nadeau. Et Jeanne Duchesneau. Bon, alors, notre... c'est le duo Nadeau-Duchesneau. Bravo. Alors, vous êtes prête? Il faudrait partir la musique. Est-ce que leur musique est prête? Alexa, repars la musique. Vous pouvez commencer. Regardez l'élégance. Tout à fait synchronisé. Oui. Chère Sylvie. Chère René, je trouve que c'est vraiment... je n'aurais pas pu faire mieux. Mais vous avez vraiment... Regardez. Ah, c'est extraordinaire comme...
comme pose. De la grâce. Je sais pas trop. De la grâce. Oui. Oh, ce sont de vrais poissons. Avec un synchronisme parfait. Parfait, tout à fait. Nous voyons les heures de pratique qui ont été vraiment... Les efforts. Oui. Oui. Et un troisième, et mettre par en avant, un front flip. Un front flip. C'est ce qu'on appelle le front flip. Et ils sont répartis de l'autre côté. Alors, elles sont parfaitement synchronisées. C'est peut-être parti pour l'heure. Hein? Oui, 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 je tout à fait. Je crois que nous pourrons assister à une représentation d'excellence. C'est des athlètes de haut niveau. De haut niveau. Franchement, elles mériteraient l'or. Elles mériteraient l'or. Rappelons qu'elles étaient arrivées deuxième. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça a été une rencontre au centre de la piscine en parfait synchronisme. Oui. Est-ce que c'est terminé?